Salut la team, c'est Branouen pour Radio Normandie Rock et on est en direct du Hellfest. Et aujourd'hui, on accueille Azelma. Bonjour à tous. Salut, c'est Arthur d'Azelma. Et moi, c'est Tristan, le chanteur. Alors, donc Azelma, c'est un groupe de death, créé en Côte d'Azur en 2023. Tout jeune groupe. Et jeune homme aussi. Oui, pas bien sûr. Encore de barbe. Ouais. Bah, la moyenne d'âge du groupe est assez basse. Savoir que moi, j'ai 19 ans, je suis le plus jeune, et tous les autres en ont 22. D'accord. Ah oui, des bébés, quoi. C'est ça. On n'a pas encore de barbe. Voilà. On n'est pas sevrés encore. Ouais. Ça va venir. Votre rencontre. Ah, notre rencontre. Ça s'est passé en 2018 ou 2019 2018-19 par ici. En fait, on s'est rencontrés à un showcase d'un groupe qu'on aime beaucoup, High Tempor, qui était en fait le seul disquaire métal à Nice. Et en fait, depuis, on est devenus hyper potes et on a grandi ensemble, quoi. Et c'est hyper fusionnel. Donc avant même de faire de la musique ensemble, on était déjà dans une relation très fraternelle. Et c'est une belle histoire aussi parce qu'en fait, High Tempor, malheureusement, ça a fermé. D'accord. Là, il y a quelques... ça a fermé là. Ça ferme samedi. Donc, cool. Voilà. Ouais. Et en fait, on a eu l'honneur et la chance de pouvoir jouer le tout dernier showcase de l'histoire des Tempor. Ils ont laissé ça, ils nous ont fait confiance et ça a été un succès énorme. Et ça ferme pourquoi? Parce qu'il n'y a plus de marché à ce niveau-là. Le monde du disque, c'est assez compliqué, surtout en 2024. Quoi, donc, c'est ça. Donc, ouais. Les joies de l'internet. Exactement. Voilà, donc, ouais. C'est ça, oui, un changement générationnel de toute façon. Mais c'est pas une fin, une vraie fin pour autant, parce que ils ont ouvert un café-restaurant, très très bonne cuisine niçoise, où il y a la possibilité d'acheter des disques encore. Ah ouais, excellent. Voilà, ouais, du coup, ils ont gardé le stock et c'est sympa en fait. Ils sont pas trop mal lotis. Voilà. Il y aura peut-être une petite scène, ils pourront peut-être aussi faire des petites scènes. C'est ça, il y a des shows tous les vendredis soir. D'accord. Excellent. Je souhaite aux nouvelles générations aussi de se rencontrer là-bas. Alors j'avais une question en fait, à l'heure du hardcore, surtout pour les jeunes en fait, ils vont, c'est une case où ils vont beaucoup, pourquoi du death pour vous? En fait, on s'est retrouvés tous les quatre à vouloir surtout faire de la musique ensemble. Et en fait, ça en a découlé naturellement du death, quoi. On voulait une musique agressive, violente, assez technique, parce qu'on est quand même... c'est très technique. On est encore dans un âge où on veut encore progresser le plus possible, tout ça. Donc voilà, donc on cherchait une musique agressive, juvénile et technique. C'est ça. Après, on n'est pas non plus... on n'est pas le death des années 90 ou des années 80. C'est assez, assez difficile à définir, mais c'est vrai que en fait, le mot death metal, c'est ce qui nous qualifierait le mieux si on ne veut pas en employer 150 pour définir notre musique. Il faut bien rentrer dans une case. Exactement. Et c'est ça. Et vos influences, alors je ne vais pas dire quand vous étiez jeune aussi, peut-être ado, en fait, parce que vous n'êtes plus des ados, des jeunes adultes. Tout jeunes adultes. Des adolescents, comme on dit. C'est ça. Et vos influences, en fait, au niveau musical. Ça a pour moi beaucoup été le groupe Death, notamment à la basse, en fait, avec Steve DiGiorgio, des grands noms comme cet homme-là. Athéiste aussi beaucoup et Gojira dans leur rigueur de travail en fait. Très technique, ils ont une approche de leur musique qui est impressionnante et tout le monde le voit en fait, et tout le monde l'entend surtout. Donc voilà, pour ne citer que, il y aura ces trois groupes là. Et toi, pareil, c'est clair. Moi je vais citer tout ce que Arthur a cité. Après, si on veut aborder vraiment ma technique vocale, moi j'ai appris à chanter grâce à Dissection, parce que je viens vraiment du black metal à la base. J'ai vraiment grandi dans le black metal. Et du coup, oui, je vais apporter cette espèce de touche un petit peu avec un chant très articulé, vraiment quelque chose de très black metal des années 90. Mais je commence de plus en plus à avoir des techniques vocales modernes aussi, qui ne dénaturent pas non plus mon chant, mais ça faudra... Faudra voir les prochains enregistrements encore. Mais tu prends des cours ou c'est inné en fait
je suis quelqu'un qui a du mal avec le concept de cours, ouais. Mais je suis quelqu'un qui prend énormément de conseils et qui essaie de les travailler de son côté. D'accord. Je suis très autodidacte, mais tous les autodidactes du monde, en réalité, vont avoir des mentors, etc. J'ai eu beaucoup de chance, j'ai commencé par une technique qui m'a tout de suite collé et qui a vraiment tout de suite défini ma patte, vraiment ma voix. J'ai très vite trouvé à l'âge de 15 ans. Et en demandant des conseils à mon père justement, il m'a dit: mon fils, crie et écoute ton corps. Et j'ai crié, j'ai écouté mon corps. Et voilà, ça a sonné comme ça a sonné, hein. C'était très loin d'être parfait ni même bon. Mais c'était sûr pour ma voix. Et c'était ce que je voulais faire. D'accord. Et à partir de cette petite base, j'ai vraiment développé, au-delà de l'aspect vraiment distorsion, j'ai vraiment développé la couleur de mon chant et la maîtrise. Mais c'est vrai qu'en fait, quand on te voit, j'ai eu le plaisir de vous photographier au off, hein, Belfast le off, et t'écouter aussi, tout le groupe. Hein. Mais c'est vrai que t'as un chant qui est... Et quand on te voit là, tu es tout mignon, tout, enfin voilà. Et c'est une maman qui parle, enfin tu vois, c'est, je suis maman aussi. Et quand tu vois sur scène, mais alors le changement, on a l'impression en fait que tu es au bout de ta vie, que tu vas mourir, enfin tu sais, mais c'est énorme en fait, parce que ça transporte en fait. Tristan, c'est un chanteur qui projette énormément. Ah ouais, aussi, il a une aura en fait, ouais. Vraiment ces techniques traditionnelles, même quand je vais faire des pick squeals, même quand je vais faire des trucs un peu plus typés modernes, je suis pas dans la demi-mesure. Moi, j'ai un volume de sortie qui est très important. Ouais. Bah, c'est comme si je criais en permanence. C'est ça. Et c'est très physique, mais c'est aussi un moyen extrêmement efficace chez moi, et c'est même devenu un besoin pour extérioriser. D'accord. J'extériorise énormément sur scène. C'est peut-être le moment en fait de ma vie où j'ai le moins de masque, c'est quand je suis sur scène. Ouais, c'est un peu une thérapie en fait en même temps. C'est totalement cathartique. Pas besoin d'un psy, tu chantes quoi. C'est cathartique. Ouais, Et ça n'a pas été trop dur de percer en fait, quand même, parce que là vous êtes quand même sur une pente montante. Il y a une bonne réception du public. On est vraiment contents de ça. Puis on a eu la validation de nos pairs. On est entouré de Monsieur Gauthier Serre de Igor, Jean-Baptiste Lebaille d'Ex Vartron et de Igor aussi, qui nous ont beaucoup aidés. Gauthier nous a mixés. On a été enregistré par Sébastien Camille aussi. Oui, Seb, ouais. Qui se balade par ici. Sébastien, oui, j'ai vu ce matin. Ouais. Voilà. À qui on fait un très gros bisou d'ailleurs. Un très gros bisou, ouais. Ouais, et vous avez sorti un single qui s'appelle Prométhée. C'est ça, ouais, c'est ça. Et avec le clip justement qui va avec aussi. Ouais. C'est ça, réalisé par Mathéo de Blueberry. Pareil, qui est très jeune, 22 ans, il était au lycée avec moi en fait. D'accord. C'est ça. Et lui, c'est aussi un jeune qui est bourré de talent et qui a une vision artistique qui est totale et qui est très jusqu'au boutiste, qui est très, qui est à la fois très débrouillard et très professionnel. Mais le clip est superbe, hein. Il est très bien. Ah ouais, ouais, ça nous fait très plaisir, merci. J'ai eu le plaisir de le voir. C'est son premier clip métal. Et ben, il peut continuer. Il n'y a aucun souci, il faut l'encourager dans cette voie. Là, on en retourne un avec lui dès qu'on rentre du Hellfest. D'accord. C'est ça. Excellent. Oui, parce qu'il y a une sortie de paix en 2024. Vous avez une petite info. Ouais. Vous savez quand il va sortir ou pas? Mi-septembre. Mi-septembre, ouais. C'est ça. Ça arrive très vite. C'est ça, là, on est hyper impatient, hyper... on est dans l'attente que ça puisse sortir. Ça va être un soulagement. Parce qu'il sort par avec la méthode du crowdfunding. Vous avez réussi à atteindre l'objectif ou Alors on avait mis un objectif qui n'était pas réellement un objectif en fait. C'était plus, parce qu'en fait il fallait mettre une somme. Mettre, ouais. C'était obligatoire. Mais en fait nous c'est pas vraiment un crowdfunding parce qu'en fait le pays il est déjà produit en réalité. On a déjà tout payé. C'était plus une manière de faire des précommandes tout en étant en restant sur un tissu associatif. Donc du coup en fait ça nous a permis de faire une précommande et que ces précommandes là en fait financent tout le merchandising qui va et avec, qu'on n'ait pas de frais à sortir là-dessus. Donc là-dessus ça a été une réussite totale et il nous reste même un petit peu d'argent pour financer le prochain clip. C'est excellent ça. Ouais. On est super heureux. On a une communauté vraiment qui nous pousse derrière nous. On est vraiment très heureux. C'est vraiment des gens
adorable, hyper bienveillant, très touchant aussi. Ça nous fait tellement plaisir de pouvoir partager notre art avec des gens pareils. On a une communauté qui est hyper bienveillante, hyper à l'écoute, hyper réceptive. Vraiment, et surtout ce qui m'impressionne le plus, c'est l'éclectisme. Oui. Autant au niveau des milieux sociaux, des. Tes souhaits. Des genres aussi, on a beaucoup des gens, beaucoup de personnes qui sont hyper, hyper, hyper diverses, quoi. C'est impressionnant. Et dans l'âge. Ouais, c'est. Mais j'ai vu ça en fait. Bon, c'est vrai qu'il faisait chaud, il y avait peut-être pas le public escompté, mais. Et ça allait, en fait, il y avait tous les âges, quoi. Vous pouvez toucher des gens comme moi qui ont la cinquantaine, que des jeunes de 20 ans, voire des plus même jeunes, de beaucoup plus jeunes. Plus jeunes aussi. J'ai trouvé ça génial. Je crois que le record de la personne la plus jeune à un de nos concerts, c'était 5 ans. Ah, super. Et la personne la plus âgée, je crois que c'est 79, quelque chose comme ça. Ah ouais. Alors qu'il est venu faire signer son... Du coup, c'est beau et tout. Enfin, voilà, 79 ans, 80 ans, c'est hyper touchant. Et puis, on arrive à toucher une génération qui n'est pas forcément touchée par les groupes parce qu'ils ne s'identifient pas forcément. Alors qu'à nous, ils vont s'identifier parce que c'est vrai qu'on est des petits jeunes. Et aux aînés, en fait, les aînés vont s'identifier à nous parce que... On a tout à leur prouver et notre but c'est de leur prouver qu'on est légitime et que l'avenir est entre de bonnes mains. Oui. C'est ça là-dessus, à mon avis, il n'y a pas de souci. Alors, j'ai eu le plaisir de te croiser justement Tristan hier et tu m'as parlé d'un petit projet de fest. Tu peux en parler ou pas? Ouais, carrément. Alors on est programmé sur le Distortion Fest. Ça va être un des plus gros événements métal du sud de la France. D'accord. C'est totalement émergent. C'est la première édition cette année. Et en fait, c'est produit par Maison Sonore à la base. Et ils ont eu un coup de cœur absolu sur notre musique, sur notre manière d'être, etc. Du coup, ils nous ont mis un créneau absolument incroyable sur ce festival parce qu'en fait, on va jouer juste avant Ted 56 et Landmarks. Ce qui n'est pas rien. Ce qui est loin d'être rien. Landmarks qu'on a vu sur scène hier vous étiez aussi sur le concert, je me doute. Ouais. Ouais. Et ils ont tout retourné. Ouais. Franchement, ils ont tout cassé, on leur souhaite tout le meilleur. Le son était très propre. Alors son dit est très 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 fort. Franchement, c'est une fille qui est hyper talentueuse. Franchement, c'est incroyable quoi. Et justement, on est hyper heureux d'avoir ce concert parce que ça va être devant notre public qui commence à grossir de plus en plus dans le sud de la France. On voit de plus en plus de nouvelles têtes et ça fait vraiment plaisir parce que ça nous permet de sympathiser, de découvrir des nouvelles personnes. Pour nous, l'échange humain, en fait, c'est pour ça qu'on fait tout ça. C'est super important. En fait. Sinon, on ne ferait pas de concert, on ne sortirait pas notre musique, on la ferait pour se faire kiffer comme on l'a fait pendant de très 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 longs mois avant de sortir Prométhée. De toute façon, oui, il y a Prométhée, t'as l'album à sortir en fait EP en septembre. Mais vous êtes en fait un groupe de live. L'écoute dans le salon, c'est super sympa, mais il faut vraiment vous voir sur scène parce que ça vaut le coup. Enfin, tu t'ennuies pas, puis il y a de la vie en fait sur scène. Vous n'êtes pas statique. Et on voit Tristan, tu donnes comme vous tous en fait. Et on sent cette connivence en fait entre vous. Et je trouve ça génial. On a tous une manière hyper différente d'exprimer notre musique, mais on est tous autant habités les uns que les autres. C'est vraiment notre œuvre et on est ses représentants en fait. On prêche la parole d'Azelma quelque part. On est Azelma. Et Azelma, ça veut dire quoi? Vous l'avez choisi comment ce nom? Ça, je te laisse répondre. C'est le nom de mon chat. On l'embrasse. À la base, ça a été vraiment. On a passé des jours, des mois à creuser, à tailler cette musique. Et justement, comme tu l'as dit, nous, on voulait vraiment que ça soit un projet très live, très vivant. On a beaucoup travaillé à ce niveau-là. En fait, on voulait créer une fête, en fait. Comme Tristan l'a dit, avec tout le monde, en fait, où on vient fêter la vraie vie, quoi. Le fait qu'on pleure, qu'on
qu'on soit joyeux et qu'un jour on va partir, on est sur Terre avec un temps donné et il faut l'accepter, il faut fêter ça. Et donc on voulait un nom qui exprimait ça. Donc on cherchait quelque chose de féminin, de maternel, oui. et de français, parce qu'on a un très beau pays avec une très belle culture, avec de très beaux livres qui ont été écrits par de grands noms. Donc voilà, avec Tristan, on est allé chercher dans le romantisme. Voilà. À la base, j'ai cherché Notre-Dame, ça me plaisait beaucoup. Bon, ouais. C'était déjà pris, on les embrasse. Et après, Azelma est venue, ça m'a une révélation. Ouais, révélation, c'est symétrique. On a beaucoup aimé. Et donc voilà, c'est un personnage de Victor Hugo. Et, ouais. Donc ça nous a touché. Ouais. C'est un des seuls personnages d'ailleurs des Misérables qui survit. Donc c'était aussi cette petite note d'espoir. Et je me rappelle très bien du moment où Arthur a eu l'idée, parce qu'on cherchait depuis des mois, parce qu'on crée vraiment notre œuvre. Et on est toujours en train de la créer d'ailleurs. Et en fait, c'est juste ce mot qui est sorti de sa bouche, il l'a proposé. Et ça a été, en fait, c'est le moment où j'ai su qu'on allait s'appeler Azelma. Je savais que c'était ça, que c'était nous, et qu'on était elle. C'est doux. Alors, en fait, c'est super doux et c'est en contraste complet en fait avec vous sur scène en fait. Et c'est génial. Peut-être tu as pu le remarquer avec notre pochette, tout ça. On cherche à amener un côté lisse et léché à notre musique qui est très agressive. Ouais. On peut faire du death metal et avoir quelque chose de beau, de bien habillé, de classe en fait, de classe française. Ouais, en c'est fait. Clair. On le voit, hein, t'as une tenue qui est atypique en fait pour un chanteur, petite chemise sympa et tout. On te voit arriver sur scène, on fait regarde, on fait bien. Ah. Et puis là il lâche tout. Quoi, fait. Là, tu restes scotché. Mais le contraste est chouette. Mais ça, je vous invite à aller voir les concerts quand ils passeront chez vous. Et qu'est-ce que je voulais revenir aussi? Ouais, vous avez d'autres projets hormis le festival en fait? Vous avez une tournée qui se met en place ou Là, pour cet été. Là pour cet été on a fini les dates. Là on profite ces trois derniers jours. Après là on va rentrer, on va composer pour la suite, on va bosser avec notre scénographe aussi pour les prochaines dates qui s'annoncent un peu plus grosses aussi. On va tourner notre clip aussi pour régaler les gens. Donc voilà, on va rentrer, on va travailler et mi-septembre on rattaque avec le Metalifest à Lyon et c'est parti. Et ben voilà. C'est ça, on attaque, on a le Metalifest, on a la première partie de Clone à Cannes, ça va être super quoi. On a des tournées aussi qui se préparent avec des groupes bien sympathiques. On essaie d'être un peu partout et d'essayer de s'imposer le plus vite possible. On a plein de très belles dates qui arrivent. On va continuer dans cette logique. Voilà. Voilà. Et au niveau des écrits justement en fait, je ne sais pas si vous êtes toujours en études ou voilà, c'est un âge où on est en général en études. Vous avez le temps en fait de composer. Et qu'est-ce qui emmène en fait? C'est la zik qui emmène les paroles en écoutant la musique, ça serait bien. Ou c'est les écrits justement qui emmènent les sons de gratte, basse, batterie? Alors on a cette chance de. On travaille tous. Ouais. On fait même des gros horaires, la plupart sont dans le monde du spectacle, sont d'accord, intermittents, okay, tout ça. Ouais. Mais ouais, on a cette chance d'à côté se donner un deuxième 40 heures par semaine en fait, où en fait tous les jours on se retrouve et on répète, tous les jours on compose, tous les jours on fait de l'administration, tous les jours je suis hyper reconnaissant pour ça parce que je parle à plein de monde et on n'a pas tous cette chance de pouvoir donner ce temps-là. Il n'y a que 24 heures dans une journée. C'est ça. Donc on ne s'arrête jamais de composer, on ne s'arrête jamais de gratter du papier, tout ça. Et ça vient assez naturellement pour l'instant. En fait, on met notre ego de côté et on vient tous les quatre avec nos idées en fait. Et dès qu'il y a une idée qui nous plaît à tous les quatre, c'est bon, c'est validé. C'est la bonne. Donc ça prend un peu plus de temps, mais on l'a le temps. Mais donc, voilà, ouais. Donc on prend patience et à chaque fois ça porte ses fruits, donc on est super content. C'est excellent. Tristan, oui, ça reste quand même lui qui est.
qui vient orchestrer toutes les paroles, on va dire. Tout le monde vient avec ses idées, mais Tristan a sa plume. Ouais. Et il arrive vraiment bien à arranger son texte, en fait. Et ce qui est énorme, c'est parce que justement, Tristan, il fait très dandy, en fait. Et c'est ça, ce contraste, il fait très dandy. On l'imagine très bien avec une plume, avec. Enfin voilà, toi, tu vas faire des écrits. Et. Je sais pas, c'est un contraste énorme. Ah ouais, bah y a un sens aux paroles, il y a un sens au texte, il y a beaucoup de sens, beaucoup de sens à double lecture. J'essaie de forger ça aussi bien que je peux. Mais oui, il a totalement raison. Moi, je me considère pas comme un auteur, pas du tout. Plus comme un arrangeur. Arrangeur. Ouais. Je me dirais plus arrangeur de texte qu'auteur. D'accord. Et c'est pour ça d'ailleurs que même si on part plus loin, ce principe il va s'appliquer même jusque dans l'administratif. Faut savoir que les droits s'assemblent sur les paroles, c'est divisé de manière équitable entre tous les membres. On a tout divisé et pareil sur la musique. D'accord. Tout divisé en quatre. Parce qu'en fait, c'est Azelma, c'est nous. C'est un groupe, voilà. C'est pas quelqu'un plus que voilà, quelqu'un d'autre. Personne devant, c'est personne des potes, derrière. C'est une famille, en fait, voilà. C'est même plus que ça, c'est. On est tous les quatre côte à côte et on va au même endroit de toute façon. C'est une entité, en fait. Et ça nous dépasse totalement. Nous, on est dans un phénomène, dans un mouvement, dans un espèce de wagon qu'on ne comprend même pas. Et on se pose même plus de questions, en fait. On est galvanisé. C'est ça, on est hyper galvanisé par ce que c'est en train de devenir, parce que c'est par le temps qu'on peut passer ensemble. Du coup, je vais pas prendre non plus trop de votre temps non plus. Tu peux en prendre autant que tu veux. Moi, en fait, j'ai l'habitude de conclure mes interviews par une petite anecdote. D'accord. Alors, qu'est-ce que vous auriez à me raconter? Un truc s'est passé lors de l'enregistrement, un truc fun ou pas forcément fun, hein, mais en concert, enfin. Il y a un truc qui vous vient là. Là, j'en ai une qui me vient, qui est arrivée il n'y a pas très longtemps, qui n'est pas très fun. Donc, c'est toi qui vois. Sinon, on peut peut-être trouver un peu plus fun, mais ouais, sinon, j'en ai une. Ah non, tu peux, hein. Alors, comme d'habitude, on répète 6 fois par semaine en moyenne, et jusqu'à très tard. On répète au Galaxy, ça s'appelle, c'est à Antibes. Il y a presque toute la scène underground de Nice répète là-bas. D'accord. D'ailleurs, gros bisous à tous les gens de là-bas. Donc on est dans notre local, tout ça. On finit vers, je dirais, 1h du matin. Et on ferme notre local, on monte dans la voiture, tout content, fatigué, mais content, on a fait notre travail. Et là vient quelqu'un qui toque à la fenêtre. Bizarre, je connais pas cette personne. Nous, bonjour, salut, tu es qui et tout. Et petite question comme ça, vous êtes prêt à passer à la télé? Donc dit la personne. On fait d'accord. Pourquoi tu veux qu'on passe à la télé? Je fais parce que là en fait je vais faire une dinguerie, vous allez tous passer à la télé. Donc là, mon sang monte de la tête aux pieds. Mais comment ça on va passer à la télé? Il fait oui, vous allez passer à la télé, je vais faire quelque chose de grave, vous allez passer à la télé et tout, nanana. Donc là, bon, on arrive à désamorcer, à s'échapper. On appelle vite fait la police et là, pour l'instant, ça fait un petit moment qu'on n'y est pas allé. Par chance, mon patron me laisse répéter là où je travaille. Donc on peut encore garder ce rythme de répète. Mais ouais, la petite frayeur. Quoi. Grosse frayeur même, ouais. Hein, parce que en gros, je vais tous vous buter. Effectivement, vous passerez à la télé, ça fait... Voilà. Ça faisait un peu ça, quoi. Prophétique même. Ouais, c'était un peu vrai. Ouais. C'est ça. Un peu bizarre. Après, on a une anecdote un peu plus légère. Okay. C'est dur sur le bout de la langue comme ça, mais oui. Donc tout ne nous sourit pas finalement. Il y a les fous du local de répète. On les embrasse hein, très fort. Bah écoutez, merci les gars en tout cas. Mais merci à toi. Et puis on se retrouve sur Radio Normandie Rock. Carrément. On espère vous retrouver. Pour nous, Antibes, ça fait un peu loin, mais qui dit passer des vacances, ça peut être sympa. Et on espère vous voir en tournée, en fait, dans toute la France. On va tout faire pour. Voilà. Oui. On va rien lâcher, on va tout faire pour.
Et puis bah, on attend l'EP mi-septembre, aucun souci. Merci. Merci à vous. Salut. Et ciao. Yeah.